Félix Jabbar, qui est ancien conseiller national, celui qui a la plus grande longévité comme président de la commission du cinéma, 17 ans. Alors vous pourrez m'expliquer comment ça fonctionne ce cinéma? Oui. Pour le moment, ça marche. Pour le moment. Je ne savais pas qu'il savait sourire, et il sait sourire. Victor Hugo, et il dit: il faut que l'herbe pousse et les enfants meurent. C'est cette œuvre qui représente un instrument que nous, Tessinois, que la Suisse italienne, monsieur le conseiller fédéral, vous met dans vos mains et vous demande simplement, comme vous m'avez dit ce matin, Monsieur Solari, messieurs les directeurs, je vais approfondir. J'ai parfois l'impression que la vie elle-même est un film. Vous savez, quelquefois, je voudrais qu'un film soit la réalité. Peut-être est-ce parce que j'aime les films et le cinéma autant que j'aime la vie. L'art doit pouvoir se respirer comme l'air et se contempler comme la nature. Jean Cocteau a dit à ce propos une phrase remarquable devenue célèbre, la pellicule est un ruban de rêve. Un ruban de rêve, eh bien il serait bon et juste que nous ayons un rêve commun pour la pellicule suisse. On souhaite que la Confédération joue un rôle important, mais on semble souffrir terriblement si elle s'empare d'un rôle de vedette, pour reprendre un terme cinématographique. À mes yeux, et je vous le dis une première fois, et peut-être une seule, parce que je crois que c'est clair, tout cela est en effet très simple et clair. La Confédération joue certes un rôle indispensable et primordial en tant que promoteur du cinéma, comme d'autres d'ailleurs, et la coordination en la matière doit être renforcée. La Confédération est prête dans ce rôle à contribuer au nouveau départ du cinéma suisse, mais le rôle principal, celui de la vraie création, celui qui peut finalement mener à la qualité et au succès, ce rôle-là appartient pleinement au monde du cinéma.